tout le monde, aujourd'hui on est réunis pour faire un haul. Donc je vais vous parler de tout ce que j'ai acheté au mois de mars. Donc je pense pas qu'il y ait tout à côté de moi parce que j'achète tellement de choses que je m'en rappelle plus à force. Donc je vais vous faire quand même une petite partie. Je vais les regrouper par magasin, comme ça au moins vous pourrez voir à peu près dans quelle boutique j'ai acheté et pour quel prix je les ai achetés. Donc on va commencer. Je suis allée chez Sephora il y a à peu près 15 jours avec ma meilleure amie. On voulait acheter un fond de teint ou une poudre. J'étais partie pour prendre la gamme Sephora, mais finalement il y avait le maquilleur de Bar Minéral. Alors on est allé le voir, il nous a maquillé, c'était plutôt sympa, et du coup je suis ressortie avec ça. Donc voilà, je vous la montre. Voilà. Donc en fait c'est un coffret Bar Minéral kit. Donc du coup dedans j'ai trois pinceaux, je vais vous l'ouvrir. Hop, hop, hop. Donc il y a les trois pinceaux pour la poudre, le blush et pour les corrections. Voilà, donc du coup il y a ça. Après il y a il y a 4 pots dedans. Donc il y a 2 poudres médium, une médium simple, une médium beige, une original mineral day. Et le dernier c'est un warm. Je sais pas comment ça dit, mais c'est à peu près ça. Et on a aussi la base qui est dedans. Donc voilà, donc j'ai eu ce coffret pour 59 €. Donc je trouvais ça assez avantageux parce que les poudres coûtent je crois à peu près 30 €, je crois, je suis pas sûre. Donc là pour 59 €, j'ai 4 poudres, 3 pinceaux et bien sûr la base. Donc je trouve ça assez avantageux et moi j'aime bien les petits prix, les promotions, tout ça. Donc voilà. Après, je suis allée à Intermarché. Et oui, Intermarché ne fait pas que à manger, ils font aussi de très beaux vêtements. J'en ai acheté plusieurs et j'ai franchement été tout le temps très contente de mes achats. Bon, voilà, je continue à aller à Intermarché. Donc j'ai acheté un petit body, je ne sais pas si on voit très très bien. Voilà, un petit body façon un peu indien, j'aime beaucoup. Donc il m'a coûté 13,90 €. Bon, je trouve quand même le prix assez sympa pour le petit body original. Je ne l'ai pas encore vu sur quelqu'un, donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter. J'aime bien ne pas avoir les mêmes produits que tout le monde. Comme tout le monde, je suppose. Alors, après, toujours à Intermarché, mais ça c'est mon chéri qui m'a offert. Donc j'ai pris celui-ci. Donc voilà, c'est pareil, c'est un... Je reste souvent dans le noir. Donc c'est un petit tricot un peu transparent, donc où on peut le mettre avec quelque chose dessous, un bandeau. Mais moi j'aimais beaucoup le collier en fait qui est accroché. J'adore beaucoup. Je trouve que ça habille vachement le t-shirt parce qu'à la base il est vraiment simple. Mais le collier fait tout dessus. Donc celui-là je l'ai payé, il me semble, 17,90 €. Il était bien sûr de plusieurs couleurs. Il était en émeraude, tout ça. Moi j'ai voulu prendre noir, je trouve que ça va avec tout et j'adore le noir. Après, je suis allée à Babou et je me suis pris, voilà, ce petit body qui est très 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 sympa, que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore mis. C'est vrai que je ne vais pas me promener tous les jours avec des bougies, mais je veux dire, comme ma meilleure amie fait beaucoup de shooting photo, je me dis que ça peut être une bonne idée. Et donc celui-là, je l'ai payé 10 €. Après, hier, je suis allée faire du shopping sur Orange et je tenais à vous parler d'une boutique que j'adore, que j'aime connaître. Elle s'appelle Lily Mode à Orange. J'adore beaucoup. Ils ont vraiment beaucoup, elle a vraiment beaucoup de choix au niveau des t-shirts, pantalons, sacs à main. Franchement, je savais plus quoi prendre tellement qu'il y avait du choix à des prix vraiment abordables. Franchement, j'ai mis au moins 1 heure dans la boutique pour me décider de ce que j'allais prendre et ce que je n'allais pas prendre. Donc du coup, j'ai fait un petit tri, j'ai pris mes coups de cœur et la prochaine fois, je prendrai le reste. Non, je ne suis pas riche, mais j'aime bien me faire plaisir. Alors, j'ai pris ce petit top qui est assez sympa. Voilà, avec
la dentelle derrière, je trouve ça trop mignon. Moi, tout ce qui est frou-frou, dentelle, j'aime beaucoup. Donc celui-là, je l'ai payé 15,90€. Donc je trouve que quand même, c'est plutôt sympa, 15€ pour un petit top comme ça. Je trouve ça assez sympa. Après, j'ai pris, bon, l'indispensable, un débardeur noir, tout simple, pour mettre sous les tuniques, tout ça, c'est super. J'en ai eu plein dans mon armoire, mais j'aime bien en acheter de temps en temps aussi. Après, j'ai pris ce petit gilet, que je trouve vraiment trop mignon. J'adore. Bon, il y avait une fleur accrochée dessus, mais ça, j'aimais pas du tout, donc je l'ai enlevé. Mais je trouve que ça, avec un beau petit débardeur dessous, l'été, ça peut être super mignon. Donc celui-là, il m'a coûté 10€. 10€, c'est pas grand-chose, on va dire. Et ça peut être super sympa pour une tenue. Voilà. Après, j'ai pris ce petit haut. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc, j'ai pris ceci. Toujours la frange, j'aime beaucoup derrière. Par contre, si vous le prenez ou quoi que ce soit, évitez de le mettre tout seul parce que je trouve ça pas très joli. Enfin, c'est mon opinion. Après, moi je sais que j'ai acheté une petite barre noire pour le mettre dessous justement parce que sinon on voit tout le côté et ça fait plus vulgaire qu'autre chose en fait. Donc moi j'aime pas du tout. Après, tout le monde fait comme il veut, hein. C'est pas moi qui décide. Je pense que l'été, si avec un maillot ça peut être sympa, mais pour la vie de. Enfin, et de tous les jours à mettre sans débardeur dessous, non, c'est pas possible. Donc je l'ai payé 17,90€. Voilà, donc il était aussi en plusieurs couleurs, hein. Tout ce que je vous ai montré était en plusieurs couleurs, bien sûr, hein. Après, hein, les goûts et les couleurs changent pour les personnes, hein. Ça c'est sûr. Ah oui, alors à Lilimode, j'ai pris aussi un sac à main. Donc voilà, j'ai littéralement craqué dessus. Je le trouve mais juste magnifique. Au début, je me suis dit que ça fait peut-être un peu trop classe pour aller promener. Mais bon, vu le travail que je fais actuellement et comme j'aime bien m'habiller tout ça, je me suis dit pourquoi pas changer. J'ai toujours des sacs classiques. D'ailleurs, je vais vous montrer, mon sac est très classique. Voilà. Bon, c'est toujours dans le noir et dans le doré. C'est sûr, mais bon, c'est vrai que celui-ci, je me sens mieux d'aller me promener avec un petit sac comme ça. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc celui-là, je l'ai payé 34,90€ quand même. Bon voilà, c'est sûr que c'est pas de la marque. Mais bon, de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Et moi, je préfère acheter des petits prix que des marques. Parce que si je devais l'abîmer, ça m'embêterait beaucoup de racheter un sac de marque. Hein. Après, je suis allée à Total Fashion, petite boutique vers chez moi, et je me suis pris ceci. Alors voilà, je vous le montre. Je ne sais pas si on va voir beaucoup. Voilà, les strass, qui est très jolie. Donc j'ai craqué littéralement dessus. En plus, je trouve qu'elles sont pas des grands pieds, parce que moi j'ai des grands pieds, donc je ne voulais pas que ça m'allonge mon pied, déjà que je suis petite. Alors si en plus je suis tassée et que ça me fait des barques, c'est horrible. Donc celles-ci, je les ai payées 24,90€. Bon, c'est sûr que c'est du fantasy, ça va pas durer pendant des mois et des mois. Mais bon, moi j'aime bien changer. Donc je trouve que là, pour le moment, mettre les bottes, je pense qu'on peut les rentrer dans les placards. Donc je peux mettre des petites baskets en pente, c'est assez sympa. Et donc voilà, je crois que c'est parce que là je me rappelle plus ce que j'ai acheté, mais bon, de toute façon je pense que je ferai un haul chaque mois, que je vais pas faire chaque fois que j'achète quelque chose parce que sinon il va en avoir beaucoup et ça va être ennuyant. Donc je préfère en faire un une bonne fois pour toutes par mois et ça suffira largement. Après voilà, je vais marquer bien sûr dans la barre d'infos tous les articles avec leur prix et les endroits où le trouver bien sûr. Comme ça, si ça peut vous intéresser, ben, n'hésitez pas à aller les acheter. Moi, je vous les conseille. Je trouve ça super mignon pour les prix que ça a coûté. Et après, ben, si vous aimez, les petits pouces. Si vous n'aimez pas, ben, tant pis. Peut-être à une prochaine fois. Bon, ben, je vous dis une bonne journée, les filles. Et à bientôt. Bisous.